The 2021 Chess Tour will be the first time the world's best chess player is determined over a full online season. This tour will not only reinvent the sport, it will also reinvent how chess is broadcasted to a wide audience. To do so, we will create an amazing show. We are now looking for the best English speaking talent out there to be a part of this. You will be instrumental in making chess interesting and exciting entertainment. Also, for viewers with only basic chess skills. You will fill this studio with drama and enthusiasm when you give a global audience the excitement, time trouble, the genius moves, and the inevitable blunders. Can you see yourself as part of this team? Do you want to be part of building something never before seen in chess? Send us a screen test and show us some examples of the work you are most proud of. Bonjour tout le monde, donc on va jouer cette demi-finale de groupe contre le grand maître russe Sanan Sugurov. Euh, ça va être un match difficile et on va commencer la partie. C'est parti, donc première partie ça va être certainement une espagnole je me doute. Donc cette fois on joue sur la nouvelle zone de jeu, chose qui m'était jamais arrivée jusqu'à maintenant. Euh, J'ai pas vraiment eu le temps de préparer, donc on va jouer une espagnole classique. Euh, sans surprise hein, on va jouer voilà euh, si je me rappelle euh, ouais, j'ai hésité à jouer quelque chose que finalement j'ai abandonné au dernier moment je vais rester concentré sur ma sur ma ligne principale donc ma brière euh, ça, ça me... j'avais perdu contre ce match contre Robson euh, au mois de février je crois et j'avais joué beaucoup de parties de ce type euh, j'avais été vachement déçu justement de la de la part du, du, du déroulement du match parce que bon j'avais eu une position des positions très correctes mais bon je pense avoir révisé euh, depuis alors ce que je me rappelle c'est une autre question mais alors il joue avec D3 D3 c'est plutôt rare euh... il y a plusieurs écoles alors en général quand il joue avec mon fou en B7 je joue pas il faut pas jouer cavalier à 5 il faut plutôt jouer euh... Cavalier B8 d'abord. Euh... Je vais jouer Cavalier B8. Il y a des pièges aussi, il faut faire attention. Mais en général, voilà. là, il va jouer un plan plutôt lent avec Cavalier D2, Cavalier F1, Cavalier G3. Normalement, je peux jouer un truc comme ça. Alors, est-ce que je vais jouer Tour 8 Tour 8 il faut faire gaffe parce que Cavalier G3, je ne peux pas jouer F8 à cause de Cavalier G5. Quoique, Cavalier G5, j'ai D5. Non, c'est pas terrible ça. Euh, J'ai peut-être déjà mal joué la position, c'est pas impossible. Bon, je vais jouer ksc 5 Mettre le KSC E6. Maintenant, on va jouer tour E8. Mettre le fou sur F8. Ça, c'est des coups normaux. Il peut jouer D4, je vais revenir en D7. Tout ça, c'est des coups euh, plus ou moins normaux. Il hein. n'y a rien de, il d'extraordinaire. On est retombé dans une... Je pense qu'on est retombé dans une... Dans une brayère, en fait. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Fou 3 c'est un peu bizarre. Alors, je peux mettre mon cavalier sur E6, mais du coup, le coup de D5 va être beaucoup plus dur à réaliser. J'aurais plutôt tendance à mettre mon cavalier sur D7. Pour pouvoir jouer D5 ensuite. Euh... Bon, j'ai une petite avance au temps. Il faut que je me mette dans le truc, là. Je ne je, je suis pas encore à fond dans le machin. Donc là, bon, il y a D5. Hein. D5, ça va être ma rupture. Ça va être mon coup thématique. Il faut que je me familiarise aussi avec cet échec J'ai Je n'ai pas l'habitude. OK, est-ce qu'il peut jouer de D4 Il doit pouvoir jouer de D4. L'avantage que j'ai par rapport à une à une Breyer ou à une zaitef classique, c'est que j'ai pas encore eu besoin d'utiliser le coup H6. Et ça, ça peut, être, ça peut être utile. Il y a des cas justement où mon pion H6, je pourrais pas jouer G6 parce que mon pion H6 serait en l'air. Et bon, voilà, cavalier H2, c'est un coup normal. Là, si je dis pas de bêtises, il faut jouer un coup comme D5. Et je sais qu'à un moment, je vais avoir un dame C8 qui est important. Si je me trompe pas. Ok, G4. G4, ça semble assez logique. Est-ce que je peux prendre ici et jouer Dame C8 Dame C8, c'était un coup que j'avais qui m'avait marqué. Ne me demandez pas pourquoi, mais ça m'avait marqué. Je sais qu'après, j'ai des coups avec A5, tour A6 qui sont importants. J'ai peur de tout confondre. Bon, on va prendre en G4 une fois, on va jouer G6 en espérant pas se faire mater sur les cases noires. Ah, il y a fou B3, il faut que je fasse attention quand même, il y a fou B3. Fou B3, tour 7 et... Ouais. Non, c'est bien ça, il faut que je me réveille. Donc, tour 7 il va jouer fou G5, il va gagner la qualité, je vais essayer de trouver du contre-jeu sur les cases noires, mais cette première partie commence mal. J'ai pas du tout bien négocié cette cette première partie après j'ai peut-être quelques compensations euh, mais là je perds clairement une qualité enfin je vais devoir jouer KSC5 jouer Fou H6 après j'ai un petit avantage au temps aussi donc je vais pouvoir peut-être un peu accélérer donc là on va jouer KSC5 KSC5 c'est un coup normal il va être obligé de prendre en E7 maintenant je vais faire Dame prendre E7 mon Fou va pouvoir sortir sur H6 aussi c'est important mon Cavalier peut venir sur G5 je dois avoir des compensations mais honnêtement c'est pas une position qui doit être, qui doit être bonne pour moi euh, au contraire, même après c'est solide, hein, bien sûr. J'ai le cahier C5 qui est plutôt bien placé. Il a son cahier 3 qui est mal placé aussi. Là, je vais jouer C6. Maintenant, un petit coup d'A5. On va essayer de, 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 de limiter au maximum ses possibilités. Euh, alors là, l'idée, de j'imagine que son idée c'est de pouvoir rentrer sur D6, mais là justement, est-ce que je peux pas jouer fou H6 Comme ça, il peut pas doubler les tours. Il n'a pas de moyen de doubler les tours sur la colonne. Euh. Je vais jouer à 4. On va fixer tout ça. Il faut que je fasse attention à C4. Maintenant, ma deuxième, choix... ma deuxième possibilité, c'est de ramener le fou. Donc fou à 2, fou B1, c'est bien joué. Il veut... Il, veut se... Il veut mettre la pression sur le pion F. Donc, je vais jouer tour F8 et sur Fou A2, je vais jouer Fou C8. Je menace dame H4 peut-être. Si fou.f7 ne traîne pas tout comme ça, ça devrait marcher. Mmh. Donc là, il veut replacer son cavalier. C'est une chose assez logique. Euh, J'aime bien, bien quand même avoir la réorganisation de mes pièces. Maintenant, il faut que je me dépêche. Donc, le cavalier en E3. Qu'est-ce qu'il va faire ensuite C'est ça la question. Qu'est-ce qu'il fait après Madame, elle contrôle bien les cases. J'ai peut-être pas besoin de m'enflammer. Est-ce que je peux jouer cavalier aussi C'est jouer avec ma paire de fous Je vais faire ça. Je vais jouer cavalier E6. Je pense qu'il va prendre, et du coup je vais jouer avec la paire de fous sur, euh, sur ces cases qui sont assez affaiblies. Il n'a plus beaucoup de temps. J'ai du cavalier G5 qui traîne. Euh, KG5, dame bouge, dame F6, tour D3. Mm -hmm. g 5 j'ai l'impression que ça peut être dangereux, KG5. Est-ce que je peux jouer très concrètement Madame F6 c'est un roi G2. Je fais n'importe quoi là. Je suis... Ouais, je, suis en... je suis en tilt. Il n'a plus de temps et je suis en train de, de... de paniquer un peu. Ouais. Donc ok, on va... on va replacer tout ça. On va mettre la dame en e 7 Il faut l'empêcher d'aller en D6. Malheureusement, là, il y a la dame D3 qui permet de tout, de tout replacer. Moi, j'ai Tour D8 encore qui... Qui peut lui poser des problèmes après il a plus de temps donc on va jouer là dessus aussi bien sûr cavalier f3 il replace je mets mon cavalier en c5 on voit bien l'action combinée de mon fou et de madame est-ce que je peux jouer au roi g7 prise prise échec non il y a dame ici donc il faut que je joue fou g7 il joue g5 qui est un coup assez normal Ouais, je ne suis pas fier hein, de ce que j'ai fait. C'est dommage, j'avais beaucoup de contre-jeux et puis d'un coup euh, j'ai complètement endobé. Ouais. Donc là, je vais jouer tour 8. Donc là, il essaye de mettre de la pression sur ce pion. Je vais défendre. Ouais, je, suis mode, je suis en mode passif là. Hein, je n'ai pas, vraiment... pas trop le choix. J'ai pas du tout optimisé ma position. Et je vois pas d'arnaque en plus, hein. c'est pas simple. Hein. Je ne vois, vois pas de manière très simple de, de l'embrouiller. Je vais essayer quand même. Hein. Bon, voilà, mais je ne suis, je suis pas du tout optimiste concernant l'issue de cette partie. Je vais ranger 7, mettre une tour en D8. Et je vais perdre cette partie. Bon, c'était mérité. Euh, non, non. non. Euh, Est-ce que je fais rematch ou je fais le deuxième? Euh, je vais faire cette... Bon, ben il mène un zéro. Hein, euh, assez logique. J'ai joué une très mauvaise partie pour, pour commencer. J'avais une bonne position et j'ai juste gaffé ce. J'ai juste gaffé cette, cette idée avec euh, qui me gagne ou me gagne la qualité. Enfin, c'est c'est très bête. C'est c'est même très stupide, mais que faire? C'est comme ça. Il faut que j'arrive à me mettre dans le truc. Euh, Ce n'est pas que j'ai pas envie, c'est que c'est pas si facile. Donc là, on va jouer une position de Carlsbad normale. Si s'il veut, d'ailleurs, il peut jouer une braboisine s'il veut. Ok, okay. E3, c'est malin e 3 c'est assez malin. C6 euh, c'est assez malin. Parce qu'il veut jouer du Dama 5 ou des 3 cavaliers 4, en fait. C'est une, une variante assez, assez intéressante. Ça, par contre, ça j'aime bien. Est-ce que je peux jouer fou F4 ici? C'est compliqué ces positions. Parce que là, le coup H6, justement, il peut avoir des soucis. S'il rock trop vite, je vais avoir du G4. Et s'il joue cavalier H5, je peux jouer fou E5, et son cavalier en H5, des fois, il peut être mal placé. Euh, c'est des positions vraiment très complexes. Jamais... Le coup H6, ça va lui empêcher aussi de lutter contre la case E5. Alors par exemple, ça, cette position, je sais, est-ce que c'est G4 ici, ou est-ce qu'on joue Dame C2 d'abord Mais je sais qu'il bah, y a une partie de, 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 de Botvinnik contre Torsef où euh, là les noirs ont joué je ne sais plus quel coup et ils se sont pris G4. Et la position noire a explosé. Donc euh, c'est à cause du pion en H6. Bon là j'ai envie de jouer G4 clairement, mais j'ai pas envie qu'il me trouve trop de contre jeu à base de cavalier E4. Donc je vais jouer Grand Rock pour commencer. Fou B4 c'est un coup dans ces positions. L'idée c'est de se débarrasser du cavalier pour utiliser la case E4 pour, euh, pour le sien justement. Euh, ça mène à un jeu plutôt stratégique en général. Il va être obligé de me donner plutôt le foot de case noire et je vais pouvoir essayer de profiter de mon avantage, euh, de mon avantage matériel, puisque c'est quand même un avantage d'avoir le foot de case noire. Euh, bon, il faut que je joue, il faut que je joue peut-être un peu plus lentement. Si je me dépêche, je joue trop vite et c'est dommage parce que la première partie, je suis certain que j'ai eu une position tout à fait correcte. Mais c'est dingue que je me sois pris ça. Malgré la qualité de moi, hein, je devais avoir du contre jeu, mais il a bien joué. J'ai mal négocié son moment où il a joué g 3 donc là, il faut se reconcentrer et se ressaisir pour cette position. Alors, Cavalier ici, c'est un coup assez normal. On va jouer H3. H3, ça permet de sauvegarder le fou et ça permet aussi euh, de lancer le coup G4. Donc ça, c'est, si je ne dis pas de bêtises, c'est un coup assez normal. Euh... C'est normal, mais... C'est normal, mais... J'aime bien. <laughs> J'ai l'impression que la position blanche est déjà, est déjà préférable. Après, il faut que je fasse attention aux tactiques avec son foot case blanche sur mon, sur mon roi. Mais la position, ça peut, aller, ça peut aller vraiment très vite là pour les blancs. Hein. Tour G1, G5, euh, c'est vraiment très rapide. Euh, si je joue C5 pour trouver du contre-jeu, je peux prendre en C5 et maintenant changer mon fusil d'épaule et jouer contre le pion D qui est isolé. Donc jouer Roi B1, Tour C1, ramener les pièces. Euh, les blancs ont un avantage ici, ça c'est indéniable. Je peux aussi jouer cavalier E5 et F4, qui n'est pas du tout négligeable comme idée. Donc là, il joue cavalier E6, je suppose qu'il veut jouer pour C5. Donc on va jouer tour G1. On va menacer G5, de hein. il faut, il faut, il faut toute façon, il faut que je revienne au score aussi. Donc on va, clairement, on va clairement aller voir ce qui se passe du côté de son roi. Euh, C5, est-ce que je prends Ça, Ça sera, ma, ça sera la question qu'il va falloir que je me pose. Euh... D'ailleurs, je peux me la poser tout de suite. Est-ce que je laisse jouer C5, C4 ou est-ce que je le laisse prendre euh, Si je le laisse prendre, il faut que je fasse gaffe à Dame F4 échec tout le temps. Euh, après sur pion prend D4 j'aurai toujours du K et B5 donc là il ne veut clairement pas me laisser faire G5 euh, mais je vais jouer H4 ou je vais jouer cavalier E5 cavalier E5 il va jouer cavalier D7 et je, vais jouer, et je peux jouer F4 maintenant et je vais avoir une énorme marée de pions euh, sur son roi si je joue H4 qu'est-ce qu'il fait sur H4 H4 il va jouer quoi Cavalier F8, G5, prise-prise, et il va mettre le cavalier en E4. Ok, bon, je vais jouer cavalier E5. Et là, il a cavalier C5, peut-être. Qu euh... Quoique, ce n'est pas, pas si terrible, hein, cavalier E5. Voilà, maintenant, on va jouer F4. Hein, il ne faut... il peut pas jouer F6. Il ne peut jamais jouer F6, parce qu'il aura toujours fou H7. Donc là, je vais prendre... Si je prends... Si je prends, il va jouer Kc5. Si, je... Ouais, je vais prendre Kc5. Je vais peut soit jouer G5, soit peut-être retirer le fou, mettre le fond en F5 peut-être d'ailleurs. Mais là, je commence à avoir des idées très agressives. Alors ça, ça me. Alors si je prends D4, il prend F4, c'est bien joué. Euh, je peux aussi jouer cavalier E4 pour mettre mon cavalier ici. c'est bien joué euh, D4, j'ai pas du tout pensé à cette idée alors cavalier E4 puis on prend cavalier D6 est-ce que ça sert à quelque chose ça a l'air poussif comme on dit c'est plutôt bien joué ce coup bon je vais prendre cavalier prend F4 du coup j'arrive plus à jouer G5 c'est très désagréable ce qu'il a, qu a réussi à trouver maintenant j'ai ce pion en l'air en plus donc il faut que je fasse attention Je vais jouer Dame H2. J'ai une avantage, j'ai l'avantage autant depuis tout à l'heure dans les parties, mais enfin depuis la première partie déjà j'avais un bon avantage mais je me suis, je me suis ramolli. Euh... Sérieusement, il faut que, il faut que j'arrive. À... Alors bon, j'ai menace Cavalier E4, Cavalier F6 aussi, j'ai du G5 Cavalier E4 qui peut arriver. Euh, ça c'est plutôt un, une bonne, un bon coup je pense. Donc je vais jouer cavalier E4, c'était mon idée initiale. La dame, elle est bien placée ici, elle me gêne dans, dans l'évolution dans dans de ma position. Donc on va jouer au roi B1 pour éviter les échecs. Il a fou F5, mais fou F5, je dois pouvoir faire quelque chose de sérieux quand même. Maintenant, j'ai envie de mettre mon cavalier ici. Donc je vais jouer KD6. Je vais essayer de mettre mon cavalier sur F5 et de jouer H4. Est-ce que je peux jouer cavalier F5 ici, cavalier F5 Il va tout prendre, il va jouer tout reprendre E4, je vais jouer dame dame G2. Ah, il a dame E4, pas vu. Ah mais dame E4, j'ai dame G3, ouf. Ok. Dame F4, je me laisse G5 maintenant. Ok, il ne veut pas se laisser faire, il a bien raison. Hop. Uh -huh. oh, il n'a que un échec hein, qui est dangereux ici. Enfin, je pense. Bon, on va y aller, de hein, toute façon. Ah, il y, Dame... Ouf, il y avait Dame 4 qui était, qui était gravissime. Donc c'est 3. On va mettre le roi en B1. On va jouer échec. De hein. toute façon, il faut y aller. Ah, Dame prend d 4, ça calme. Il me prend D4, ça calme. Ok, il prend F7, forcé. Il prend pas. Ça, c'est bien joué de ne pas avoir pris. Ok, j'ai 5. Et maintenant je suis mal, ouais. Il, il m'a juste. Euh, il m'a complètement squeezé en fait. <laughs> je me suis fait avoir. Euh, comme... Oh faut, je perds la tour, je perds une tour. Oula, il n'a pas vu. Euh, je vais tourner un. Euh, il va falloir un miracle. Il va falloir un miracle. Oh, bon, allez, je suis trop fatigué pour jouer cette partie. Euh, voilà. Bon, ça se passe très mal. Il est très. Il est très consistant. Il se défend bien. Et il joue. Même s'il est mal autant, il est consistant. Donc là, je suis mené 2-0. Il va falloir que je réagisse. Si je ne veux pas subir euh, une humiliation euh, assez importante. Mais c'est bizarre parce que j'ai quand même plutôt. Enfin, c'est assez bizarre on va jouer tour 8 s'il veut jouer D3 cette fois je pourrais jouer avec cavalier à 5 est-ce qu'il va vouloir faire nul c'est pas... il doit être en train de... ah, ça je connais pas c'est un coup que je ne connais pas qu'est-ce que c'est que ce coup Bon, je ne connais pas du tout. Donc peut-être que je me suis fait piéger dans l'ordre de coups. Je vais jouer H6 par contre pour éviter de me prendre un truc, un truc désagréable. Je suis un peu sonné, hein. je vous garantis que je ne m'attendais pas à, à, à subir autant euh, mes erreurs en fait. Parce que la question, c'est pas tant... Je n'ai pas, pas l'impression de jouer particulièrement mal, j'ai surtout l'impression de de ne pas être consistant. Et ça, c'est un truc qui ne me, qui me plaît pas. C'est nécessaire si je veux essayer de me qualifier. Si je veux avoir une chance dans ce match, je dois être beaucoup plus consistant que ça. Alors, Cavalier H2, c'est quoi son idée Il veut jouer KG4, commencer déjà l'initiative ici. Est-ce que c'est grave A priori, non. A4, ça me semble être un coup quand même assez bizarre. Cavalier A5, il va jouer fou C2. Est-ce que je peux jouer B4 après, puis on prend B4, je reviens en C6. Niro Dame B3. D5, c'est un coup aussi. Bon, il veut jouer Cavalier F1 aussi. Bon, je vais jouer de manière assez, assez, assez classique. On va voir ce que ça donne en jouant Cavalier A5. Et C5. Bon. J'ai une minute de moins à la pendule pour l'instant. Ça, ça, change, ça change de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Là, mon idée sur le Cavalier à fin aussi, c'est éventuellement de jouer ce C4. Donc, eh, G4, je vais le manger celui-là. Et je peux aussi ramener mon fou avec Tempo maintenant en E6. C'est-à-dire que s'il fait Dame prend G4, je vais jouer Fou C8 et, et Fou E6. Euh, et ça devrait aller, je pense. S'il fait H prend G4, euh, est-ce que je ne peux pas ramener Madame en H4, justement ou même jouer peut-être fou C8 quand même. Il faut que je fasse gaffe cette fois encore une fois, encore une fois à mon à le... au problème que j'ai sur la case. Alors, il y a la case D5 aussi qui est faible. Ça, je l'avais un peu zappé. Alors. Qu'est-ce que je vais jouer dans cette position Bon, je vais jouer des 5 Je suis très déstabilisé. Très, très déstabilisé de ce début de match. J'ai un peu de mal à me... à me remettre dans le move. C'est fou, la partie... les deux parties là, que j'ai perdues, c'est complètement dingue. Alors, est-ce que ça, ça va pour moi A priori, mon idée, c'est de jouer C4. Pour enfermer son fou. Euh, je ne suis pas sûr donc, que ce soit une idée euh, extraordinaire, mais bon, c'est une idée. quoi. Euh, voilà, donc là, est-ce que je peux jouer C4 Est-ce que je ne peux pas prendre E4 aussi, d'ailleurs Prise E4, prise E4, dame prend D1 et fou prend. Qu'est-ce qui se passe sur prise E4 Je vais prendre ça. Quand on ne voit pas, on joue. Voilà, si on va prémouvoir dame prend D1 si on reprend. Est-ce que je peux prendre un E4 Il me semble que je n'ai rien qui traîne et que j'ai gagné un pion. Même si tour D7, je vais jouer C4, je vais enfermer son fou, en fait. J'ai toujours C4 qui traîne. J'ai cavalier B3, d'ailleurs, aussi, qui traînait. Donc là, par exemple, je vais manger. Est-ce que je vais jouer cavalier B3 Il va prendre en A1. En A8, pardon, je vais remanger. Il va jouer fou E3. Je vais jouer F6. Et donc j'ai gagné un bon pion. Voilà, j'ai gagné... Un un gros pion plus d'autant plus que tour 1 arrive, tour 2 aussi. Là, je me demandais si je pouvais pas jouer tour 1 roi h2 tour d1. Tour d8, roi bouge. Ouais, ça a l'air ça a l'air plutôt sympa ça. Tour 1, tour d1. Je sais pas si ça marche. Ah, tour D8, 3F7, euh, oui, non, non, il prend F8 et il prend B3. Donc tour D8, c'est le coup. Je vais jouer peut-être C4. Et en fait, mon idée, au bout d'un moment, ça va être de piquer sa tour, pour être clair, et pour gagner le cavalier des deux, en fait. Ça a l'air difficile hein, comme position pour les, pour les blancs. Euh, parce que vraiment, je ne vois pas après C4, euh, j'ai un plan qui est simple, c'est de jouer roi F7, roi E6. Et, et a priori, je ne vois pas d'idée pour... Je vais, je vais juste essayer de lui prendre les cases en fait, de la tour. Il peut jouer tour d 7 peut-être, tour des 7 pour empêcher mon roi de progresser. Mais là, je vais justement peut-être jouer C4 et lui fixer les pions sur moi avant de prendre un des deux. Et après, je vais essayer de gagner la finale de fou. Euh, dans le pire des cas, en tout cas, j'essaierai de gagner cette finale. Euh, là justement je vais jouer je vais jouer C4. Ah il va essayer de me chasser avec Roi F3, ok. Il va essayer de me chasser avec Roi F3. Bon alors je vais jouer Roi F7. Et Roi F3, Roi E6. Je vais être en premier peut-être à toucher sa tour. Donc là c'était mon idée, c'était fou 7. Et tour des 7, C4 des 7, je joue C4. Et maintenant, je joue. Roi. Et au prochain coup, je joue Roi 6. Roi 6, c'est une grosse menace, quand même. Parce que Roi 6. Si je joue roi E2, je peux peut-être jouer tour B1. Ah non, non, là. Vous voyez, je suis vraiment... Ah, là, il me donne la pièce, donc je vais faire tour prend des deux. Fou prend, cavalier prend. Ok, donc là, il me donne cette pièce comme ça. J'ai une position qui est techniquement gagnante. Euh... Vu ma forme, est-ce que je vais la gagner Ça, c'est une autre question. Mais a priori, je devrais être capable de gagner cette partie. Ouais. A priori, ok. Tour B6. Là, je vais commencer à mettre en marche mes pions. Je vais jouer G6 F5. Mon roi, il est plutôt bien placé ici. On va jouer F5. Il va prendre. Il faut que je me débarrasse des pions en fait pour pas qu'il me les mange. Parce que ça, ça serait vraiment dommage. Maintenant, maintenant, je vais jouer peut-être g 5. Essayer de le mettre dans une sorte de Zouk bon, J'ai quand même un bel avantage au temps en plus. Donc ça, c'est plutôt bien joué. Maintenant E4. On va créer le pion passé central. Il ne veut pas. OK. Je vais fousser un. Maintenant, est-ce que je peux jouer KD3 ici Ça a l'air peut-être légal. Donc, Roi sur E6. Après, j'ai cavalier F4 en plus. Et Roi E5. Je prends. En B2. Ça doit gagner assez facilement. Je vais jouer Cavalier E5. Prends, là il va faire échec, il va ramener le roi au milieu. Roi des 5. Il se bat, hein, c'est ce que je disais. Hein. Il, est, il, est, il est vraiment il est vraiment coriace quoi. Je mets le fond E5. Là, je vais C3. Fou F4, on attaque le pion. Échec. Uhum. Attention Yannick, tu es en train de faire une bêtise. E3. Est-ce que je peux jouer h 6 ici Il y a tour prend E3. Ouf. Là, je vais C2. FDM. Alors, échec. Il ne faut pas que je donne la dame. A priori, ça devrait gagner si je ne donne pas la dame. Bon, 2-1. Quoi Ah, ok. Donc, c'est le 4ème game, oui yes? Ok. Non, parce qu'il était rematching. Donc. So. Ok, wait, I have to just change this. It's okay now. Ok, sorry. Donc bon, je reviens à 2-1, mais c'était pas glorieux. Euh, Est-ce qu'il va répéter son ouverture euh, Je sais pas. Je sais pas. Peut-être. Hein. Oui, bon, manifestement, il a trouvé ça tout à fait correct. Donc ouais, c'est une Carlsbad classique, ça justement, c'est 6 x 7 cavalier H5, c'est la réponse euh, moderne. Celle qu'il a eue, ce n'était pas une bonne version, donc euh, euh, je ne garant... enfin, vous cache pas que ça fait du bien d'avoir gagné la précédente. Même si c'était quand même chaud, j'ai réussi à me créer des problèmes quand même tout seul. Je ne suis, pas... suis pas enchanté, on va dire, de mon, de mon début de match. Donc H6, fou H4, maintenant fou E7, cavalier H5, c'est possible. Donc c'est certainement la position qu'on va avoir d'ailleurs. Il va jouer cavalier H5, je vais prendre E7, Dame prend E7. Je vais jouer fou D3 et... Ah, oui, bon, d'accord. C'est très bizarre de jouer la Carlsbad avec, euh, avec H6. Normalement, c'est vraiment connecté à cavalier H5. Euh... Ça, ça m'étonne que, que ce soit possible euh, comme ça, en fait. Euh, je vais essayer de trouver dans mes, dans mes idées euh, quelque chose pour le pour le gêner quand même. Si je joue fou G3, en fait, j'ai perdu un temps. Bon, je ne vais, je vais, je vais pas me, me... me prendre la tête. Je ne veux pas le laisser échanger si facilement, donc je vais jouer Cavalier H5. Et je vais laisser jouer Cavalier H5. Cavalier H5, mon idée en fait, c'est de jouer Fou5. Normalement, j'ai un temps de plus hein, dans cette position. J'ai joué Grand Rock tout à l'heure. Là, j'ai encore le choix, donc on verra ce qu'il fait. Je viens de me rendre compte en fait en quelque sorte que ce n'est pas vraiment nécessaire que... Que, je joue... que je tienne la position, que je sois consistant. Dans la deuxième partie, j'ai tout donné d'un coup, donc ça c'est clairement un signe de fatigue. Euh, dans la première partie aussi, je n'ai pas du tout tenu le rythme, donc il euh, faut vraiment que je reprenne. Un... Alors il y a un piège sur Cavalier H5, on a tendance à envie de jouer cavalier prend D5 ici, mais cavalier prend D5. Euh, je, vais, je, vais, je vais être puni en fait après qu'il ait -E prendre des 5 parce que il aura fou b4 échec et, et enfin l'idée c'est qu'il -E prend puis on prend fou c7 mais il y a fou b4 échec. Donc là il veut prendre en g3, euh, je vais le laisser faire pour ensuite essayer justement de développer du jeu à base de g4. Donc dès qu'il bougera son cavalier je vais jouer cavalier e5, je vais jouer f4 et je vais jouer g4. Je vais avoir la colonne H ouverte ce qui peut être intéressant pour moi. Voilà, donc on va faire ça comme ça. Objectivement, ça ne doit, doit pas être très dangereux pour les noirs. Objectivement, On ne va pas se mentir. Euh, ça ne ça, 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 ça casse pas trois pattes à un canard, hein, comme on dit. Mais ça peut, ça peut euh, être dangereux. Alors là, son idée sur F4, je suppose, c'est de jouer cavalier G4. Mais j'aurais dame 2. J'aurais dame 2. Donc, euh, je ne sais pas vraiment ce qu'il veut faire. Bon, je vais jouer F4, je vais maintenir ce, ce monstre en E4. Euh, le cavalier ne peut pas s'en aller n'importe où en plus parce que des fois j'ai du fou H7 qui peut, qui peut traîner. Et j'ai des plans hein, à base de tour H4, tour H1, G4, G5. C'est assez direct. Hein, je, de toute façon je suis dans une situation de match où je ne peux pas me permettre de, de tournicoter comme on dit. Donc je vais essayer d'avoir un jeu assez direct. Je vais profiter du fait qu'il passe beaucoup de temps aussi à la pendule pour lui mettre la pression. Parce que c'est un élément très important de la partie quand même, la pendule. Fou E6. Alors, il me laisse faire mon plan en base de tourage. Alors, lui, il veut jouer avec C5 quand même. Donc ça, il faut que je fasse gaffe. parce que je joue roi B1? Roi B1, ce pas bête parce qu'il veut jouer C5, prise D4, il veut trouver du contre-jeu là-dessus. Donc je peux jouer Roi B1. Je peux aussi jouer Dame 2 avec l'idée de jouer G4, G5, justement. Euh, C'était mon autre idée. Après, j'aime pas trop le vis-à-vis -vis avec le. Ah, mais Dame 2, il y a fou prend E5 et fou G4. Voilà, c'est typiquement, typiquement les gaffes que je, peux, que je peux faire quand je suis, quand je suis fatigué. Ouf. Donc je ne me laisse pas G4 du coup. <laughs> Mais là, est-ce qu'il va pouvoir me lancer une, une, une vague, une marée de pions C'est la question. Euh, alors, comment je fais pour être très concret ici Parce que Dame F3, cette fois, je vais essayer de ne pas me le prendre. Est-ce que je peux jouer Tour H4 Mais Tour H4, il va prendre, prendre, jouer Fou B4. C'est bizarre que j'ai joué ça comme ça. Je suis pas, ça m'inspire pas en fait. C'est bizarre. C'est Assez bizarre. Je pense que je dois tourner mon attention vers le vers le centre en fait ici. Je pense que je ne dois pas laisser... Je dois... Je dois pas... Enfin, là, c'est peut-être bête d'ailleurs fou B5 parce que ça permet tour 7 tour C7. Je suis vraiment à la rue. Bon, vous savez quoi Le sacrifice de qualité, on va le faire. Parce que maintenant, justement, il va avoir un petit problème. Il va avoir un petit problème sur la case, sur le pion, sur F6. Donc maintenant, on... bon, je, vais... je vais arrêter de tergiverser. Voilà. Je vais juste jouer... Je vais juste lâcher mes coups. Donc là, justement, il veut empêcher cette idée que je vous avais donnée. J'ai quand même perdu de temps, j'aurais pu jouer la même chose. Bon, j'ai joué au roi B1 au passage, c'est peut-être utile. Euh, là, il joue C4, c'est normal, il va m'envoyer va va une vague de pions ici. Donc euh, je vais en faire de même, même s'il faut que je fasse gaffe, j'ai ma tour en H4 qui est en l'air. Donc il y a du cavalier E4 qui traîne. Et j'ai raté cavalier E4, bêtement. C est, c est, ça, c'est. C'est ce que je vous ai dit, hein, c'est juste signe de, de grosse fatigue, il faut juste que, que ça s'arrête. Bon, pas, après, c'est pas, je ne suis pas encore perdu, hein, mais après B3, il va commencer à avoir beaucoup de jeux sur mon roi. Et ça va, être, ça va être très compliqué, hein, si je continue à jouer comme ça. Que le temps joue, j'ai cavalé C5 qui peut arriver, j'ai G5, hein, tout simplement. Euh, dans 99%, enfin peut-être pas 99% j'exagère, mais G5, ça va être un coup qui va arriver incessamment hein, ça, ça sous peu. Euh, B3, c'est normal, il ne faut pas qu'il me laisse, donc là je vais prendre. Je vais reprendre, j'ai pas le choix. Cavalier E4, maintenant il m'attaque ma tour. Il faut que je fasse gaffe à ça. Il attaque ma tour. Est-ce que je joue tour à 1 en méprisant littéralement son idée Je peux. Ça me semble. Ça me semble responsable. Ah, mais il y a cavalier G3. Oh là là, mais je vois rien, ne vois rien du tout. C'est terrible. Je, bon, je vais jouer Dame D3 sur cavalier G3 et fou C2. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, tous les trucs tactiques que je loupe. Enfin, je vois rien. Euh, ça, il faut qu'il réfléchisse, oui. 2 Oh, ben, un bon nul. C'était chaud. C'était chaud. Euh, maintenant, c'est la partie 5. Il y a 2,5 et 1,5. Et on va repartir pour une espagnole. Hein. On, va, on va essayer d'être moins ridicule. Bon, j'ai gagné la précédente, mais j'ai l'impression que la partie n'était pas bonne. B7. Je crois qu'il s'est préparé hein, contre moi. <laughs> Au cas où vous auriez des doutes. Je vais fou B7. Alors, celle-là avec D3, c'était mal passé pour moi. On change, hein. je, lui, je, je lui fais un coup dans le zig, un coup dans le zag. J'essaye de voir un peu ce qu'il avait. Tour 8 à 4, ça m'a surpris. J'ai l'impression que j'ai très mal réagi. Je n'avais pas une bonne position du tout. Donc là, on va switcher pour. Fou pour... B7, il joue A4 encore. Ça, ça, me, ça me dit quelque chose ce coup A4, mais. Mais je ne sais plus en fait. Mais non, mais c'est ce que j'ai joué. Non, c'est ce que la première partie, il avait joué des 3 Je plane, pardon. Donc à 4, on va jouer cavalier à 5. On va jouer C5. Là, il peut jouer des hein. quatre. Ça va être une, Ça peut être une position normale là, après D4. Il joue des 3 Ok. C'est un plan assez lent. Normalement, là, il suffit de jouer. Enfin, il suffit de jouer fouet-fuite. Et donc là, il va me jouer son cavalier H2 fétiche, là, c'est ce qu'il me fait depuis tout à l'heure, sauf que la différence que son fou était sur, ah, il ne l'a pas joué cette fois. Là, il faut que je fasse gaffe à fou G5 des fois. Donc H6, c'est un coup à peu près normal. Et je vais essayer de percer avec D5. Il va me jouer cavalier H2 qui G4, hein. j'ai compris son plan, hein. son plan, c'est de me mettre... Voilà. Euh, J'avais peut-être C4 d'ailleurs au coup d'avant qui était intéressant. Là, j'ai toujours, j'ai D5 aussi qui est intéressant ici. D5, il va jouer dame 2. Bon. Allez, on y va de toute façon. D5, c'est un coup libérateur. Je vais commencer à avoir beaucoup de jeux. J'ai du C4 qui peut arriver. J'ai du D4 avec l'idée de reprendre avec le pion E. Euh, je pense que j'ai une position correcte. J'ai vraiment terriblement mal joué cette dernière partie. C'était impressionnant de, de faiblesse. <laughs> Alors puis on prend des 5, je suis plus ou moins obligé de faire dame prend J'aime bien cette position pour les noirs. Alors il peut jouer cavalier E4. Cavalier E4, je vais certainement prendre. Il va faire des prend Et après dame, -prend. si je prends des 1, il fait tour prend et. Cette position qui devrait être ok pour moi si j'arrive à mettre mon fou sur e6. Le problème c'est que j'arrive jamais. Euh, le problème aussi c'est que quand je vais jouer, enfin, je peux jamais vraiment utiliser ma tour à 8 parce qu'il aura toujours à prendre b5. Ce qui est un peu l'idée quand même de tout son concept en fait. Mais si je joue pas cavalier e4, je peux jouer c4 en fait des fois. Donc voilà ça c'est son, voilà, c'est clairement dans l'idée de pas de pas me laisser partir avec le, avec la tour. Donc là il joue dame ici c'est un coup normal. Je peux jouer cavalier b3 mais cavalier b3. Est-ce que cavalier b3, il prend a8, il prend là, je prends, j'ai cavalier d7 à la fin. J'ai l'air d'avoir des compensations assez énormes, mais je peux jouer c4 aussi. C4, c'est un coup vraiment très intéressant. C4, ça mérite vraiment l'attention, je pense. Bc bc, euh, j'aime bien, j'aime bien c4, mais c'est un moment critique. J'ai la, la sensation que c'est un moment critique. Alors est-ce que cavalier b3, il prend b3, je fais dame prend b3, il fait tour prend a8, je fais fou prend a8, il fait cavalier prend e5 cavalier prend e5 si je joue fou d6 il va jouer d4 ou f4 cavalier prend e5 je peux aussi revenir en d5 je pense que j'ai des compensations si je rate rien parce que c4 j'ai k prend c1 si je rate rien je pense que j'ai des compensations suffisantes parce que s'il fait tour prend a8 d'abord je fais cavalier prend c1 intermédiaire je pense Ouais, parce que tour prend à 8 c'est pas échec, il y a K prend E2 échec et je récupère en 2-7. Donc K prend C1, maintenant je fais fou prend à 8 Et a priori, dans cette position, avec la paire de fous euh, et une position plus que, plus que, plus que correcte, j'ai pas de raison de, de me plaindre, je pense. Hein. Je pense que je vais changer un peu. Je vais arrêter de me plaindre pour l'instant. J'ai une position très bonne. Maintenant, il faut que je me réorganise si j'arrive à jouer G6, fou G7, placer euh, euh, bah, ma tour correctement. Parce que bon, c'est quand même solide sa position. Voilà, cavalier E4. Là, si je prends E4, il m'attaque ce pion. Je vais jouer Dame C6 derrière. C4 peut-être à suivre. C'est mieux pour les noirs, mais peut-être pas suffisant. Donc là, peut-être déjà, il faut que je trouve une idée autre. Je peux jouer Dame 6 ici. Dame 6, c'est une idée avec. Mais il va prendre, prendre et jouer de D4. Ah, j'ai fou point F3. J'aime bien Dame 6. Peut-être que je me gourre. Et dame E6, mon idée, c'est de jouer cavalier D5 et cavalier F4. J'ai aussi la dame qui peut coulisser sur G6 pour combiner avec mon fond en A8. Par exemple, tour 1, cavalier D5, fou B3, peut-être C4, puis on prend C4, cavalier F4. Donc, cavalier prend F6, c'est normal. Dame prend F6. Maintenant, je me lasse de prendre en F3. Ok, ça, c'est une proposition nulle implicite. Parce que fou prendre, un prend, un prend, puis on prend, je pense qu'il y, y, y a strict. Enfin, j'exagère peut-être, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Je vais mettre mon fou sur D5. Je n'ai pas vraiment envie pour l'instant de, de permettre la simplification de la position. Mon fou en D5, il est plutôt bien placé. Il rayonne bien sur l'échec qui Si je ne permets pas C4, c'était peut-être un peu embêtant. Là, je voulais jouer dame G6, justement, ou peut-être dame G5, mais Dame G6 a l'air pas mal. Je menace mat et il y a C4 aussi, peut-être, avec le clouage sur le fou C2. Ah, il joue dame ici, ouais, très bien. Je n'ai pas, pas pensé à ça. OK, maintenant peut-être que je peux prendre. Ah, mais prendre, et si je joue tour à 8, maintenant c'est peut-être. Non, je vais jouer cette finale. Je vais essayer de jouer cette finale. Et je pense ici que j'ai pu obtenir un petit truc. Parce que j'ai 6, F5, alors là il veut m'échanger le fou de case blanche. C'est malin hein, d'échanger le fou de case blanche parce qu'après il veut rentrer en C6 pour provoquer B4. C'est très malin. Euh, on va jouer fou d5 pour ne pas lui permettre justement de trop faire ce qu'il veut. Je vais replacer mon fou sur E6. Je vais jouer aussi avec le fait que j'ai du temps. J'ai du temps en plus à la pendule. Donc ça, on ne va pas le laisser faire. Fou F3, on va jouer fou D7. Je vais essayer de jouer G6F5 à un moment. Je vais essayer de jouer G6F5, de rendre mon, mon fou le plus actif possible. Ah, ça c'est bien joué. Ouais. Est-ce que je peux jouer pour le gain dans cette position Je pense pas. Donc, je vais prendre et je vais proposer nul. Bon, il se rapproche de la victoire. Hein. 3-2, mais ah non, il faut que je quitte ça, il faut que je quitte ça, désolé, désolé, il faut que je quitte ça. Il y a 3-2 pour lui et, et une position, euh... c'est une situation de match désagréable. Il se rapproche de la victoire, il a plus qu'un point et demi. Moi, j'ai besoin de deux points et demi pour gagner la partie, pour gagner le match. On va, On va répéter cette fameuse Carlsbad. Hein, parce que je, pense que je pense que je peux obtenir quelque chose de mieux que ce que j'ai fait. Alors Comment je peux traiter ça au mieux Est-ce que je peux prendre... Je vais jouer g 5 Il m'a joué H6 tout à l'heure. Il m'a joué H6, ouais. Et il m'a joué ça d'abord, oui. pardon. C'est moi, me... moi qui me suis trompé. Euh, on va jouer E3. H6, j'ai joué fou F. Alors sur fou F4, cavalier H5, fou E5, C'est une partie que j'ai jouée il n'y a pas longtemps justement ça. Ok, ça c'est une autre variante. Mais bon, ça c'est extrêmement compliqué. Hein. Oh là là. Il veut jouer ça vraiment Il veut jouer cette ligne Ça c'est ça c'est un truc que je joue moi aussi, mais c'est c'est un fou de jouer ça, à ce stade-là du match. Faut 5, le coup c'est cavalier G7, si je ne dis pas de bêtises. J'avais fait nul avec Romain Edouard, justement, dans cette partie au Championnat de France à, à Nîmes. C'était la partie qui m'avait éliminé de... du titre, de la course officielle du titre. Bon, ce n'est pas la partie qui m'a éliminé. Hein. Les parties qui m'ont éliminé, c'est ma défaite contre Tigrane, surtout. <laughs> Ok, cavalier F6 tout de suite, je crois que ce n'est pas précis. Je crois du... que ce n'est pas du tout précis, mais il faut que je me rappelle pourquoi. Euh... Fou des 3. Il y a G4 peut-être. G4, je peux peut-être prendre un F6 et enlever mon cavalier. En fait, je vais jouer pour... Je crois que c'était dame... peut-être dame C2 tout de suite qui était plus précis ici. Je ne me rappelle plus. Bon, ce n'est pas très important. on a une position très tranchante hein. là le match peut, peut se décider euh, peut se décider sur cette partie hein, parce que bon, si je gagne ça, ça, ça relance on va dire les choses mais si je enfin je peux perdre facilement ce type de position parce que c'est très 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 compliqué et je crois que j'ai pas assez insisté sur le trait mais euh, d'ailleurs je crois que c'est H3 le coup euh, pour menacer fou H2 justement mm -hmm. ok il prend 5 Là je vais pouvoir bâtir des trucs avec petit rock f4. Euh, je ne suis pas obligé de jouer, euh, de jouer mon, mon grand rock et compagnie. Je peux jouer petit rock et f4 qui est, qui, qui, qui est très intéressant. Ouais, juste petit rock ici. Alors est-ce que... Non, il ne peut pas faire ça pour l'instant. Grand rock, il va avoir... Enfin, il va falloir qu'il soit motivé parce que ben. Voilà. Hein. Il n'y a pas besoin de... De commentaires, c'est une position extrêmement complexe. Il peut jouer pion prend, pion prend, dame B6. Alors, dame 7, c'est un coup assez logique. Euh, il, aspire à, il aspire à jouer grand rock. Je vais jouer tour C1. Je vais jouer tour C1 pour mettre un petit peu de pression sur son roi s'il si rock parce que d'un coup il y a toutes les pièces qui peuvent arriver assez vite. j'ai du K prend C6, du K et b 5 de tour prend C6 derrière. Ça peut être ça peut être très tendu très rapidement. Alors après il a plus beaucoup de temps déjà, il a plus qu'une minute pour traiter cette position, c'est une situation très récurrente dans le match que je gère très mal. j'ai toujours l'avantage au temps mais j'arrive pas j'arrive pas à en profiter. Donc il va falloir cette fois que je commence à être beaucoup plus consistant. Chose que j'étais hier, j'étais beaucoup plus consistant que ça dans les positions mais aujourd'hui j'ai j'ai plus de mal. Tour G8, c'est un coup assez logique. Il peut envisager aussi de jouer Tour G7. Je vais jouer Dame F3 pour le forcer à prendre une décision avec la colonne en fait. Dame F3, mon but c'est de lui dire bon, euh, je menace de prendre en G5. Fais... prends ta décision par rapport à ce que tu veux faire au... avec le pion F. Alors soit il va fermer avec G4. Il peut, hein, c'est un coup tout à fait normal, il veut fermer avec G4, mais auquel cas, du coup, il aura beaucoup plus de, de, de difficultés à, à, à relâcher la pression. Euh, et son roi n'aura pas vraiment d'abri parce que j'ai du F5, j'ai des, des coups vraiment très dynamiques qui peuvent arriver. Et puis j'ai E4 toujours hein, en perspective d'ouvrir la position. Donc, euh, et puis bon, j'ai presque deux minutes d'avance à la pendule, ce qui normalement devrait être un avantage assez conséquent. Alors, puis on prend... Si je fais F prend, alors si je fais D prend, il joue K et D7. Ok. K et D7, est-ce que je peux jouer cavalier E2 tout simplement K okay, C5, Fou B1. Ouais, j'aime bien ça. Peut-être que je me trompe, mais j'aime bien cette idée. Je veux mettre mon cavalier en D4. Ok, ça c'est normal. Peut-être qu'il va jouer Fou G4 pour éliminer ce cavalier qui peut devenir très très dangereux. Mais bon, ça ne me dérange pas, j'ai rétabli ma structure. Il a plus beaucoup de temps à la pendule en plus. Ok, ça c'est normal. Alors, est-ce que je joue des 4 tout de suite ou est-ce que je joue d'abord Foubé 1 C'est la question que je me posais. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de le donner ce truc, mais. En même temps, j'ai envie de dire que le okay, cahier en D4, il n'a pas de prix. Quoi. Ok, il prend D3, Dame prend. Ok, ça c'est normal. Alors, est-ce que je peux commencer à essayer de le, de le visser Comment je gagne cette partie en fait C'est ça la question. Dame 3, j'aime bien, parce que comme ça, sur Rock, il y a cavalier B5. Dame 3, c'est un, un coup multitâche. Je supporte F5 et. Est-ce que je peux jouer ça comme ça Est-ce que je peux jouer un coup comme Tour F3 Le Tour F3. S'il joue grand Rock, ah, il va cacher son roi de ce côté. Waouh Ah oui, sur F5, il y a Dame G5. Ok. Donc là, je dois changer mon fusil d'épaule. Donc, déjà un petit coup de B4. Tour 8. Tour F1. On 7 à 3. A5. Est-ce que F5, ça gagne Non, ça ne gagne pas du tout. <laughs> On va jouer tour 1. Désolé, je ne commande plus trop là. J'essaye de finir la partie. Alors, est-ce que je peux jouer E6 ici tour prend, On reprend, on apprend E6. E6. Oh, il se bat. Hein Échec, ça ne marche pas. Puis on prend C5, ça a l'air normal. Ok, C6 aussi. S'il prend, je pousse. Je vais mettre le cavalier en E7. Je vais peut-être prendre celui-là d'ailleurs. Je vais prendre celui-là. Je me laisse échec, j'attaque le pion. On va prendre ça. On va prendre ça aussi. On va mettre la dame en D6. Ça a l'air tellement gagnant que je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, cavalier F3, maintenant on va faire un échec ici. Dame F4. KD4. Oula, <laughs> Petit malin. Petit malin, dame F2. Cavallier F5. Il a survécu, hein C'est impressionnant. Ok, en H1. H3. Tour F4. H2. Échec. G3. Je masse tour F7. Il le part brillamment. Je vais H4. Je vais H3. H2. H5. Oula Oula, mf 3 je suis pas, j'ai pas, j'ai pas gaffé, mais pas loin. Hein. Hop, et ça c'est nul, je crois. C'est fou. C'est complètement fou. Ah, là, je m'en veux. OK. Oh. Ah, c'est dingue. Ah, j'avais fait... Une, j fait Pour une fois que j'ai fait une partie correcte. Euh, 3,5, 2,5. Ah, je m'en veux. Ouais, bon, allez. C'est ce que j'ai dit, hein, quand je dis que je manquais de consistance, c'est typiquement ça. C'est typiquement ça. Euh, j'ai des bonnes positions, il euh, n'y a plus qu'à conclure, et, et, et je blunder tout de suite. Il n'y a, a pas de... Il n'y a, a pas de solution miracle, hein, c'est comme ça. Euh, ça, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre ou pas d'ailleurs euh, comment ça marche déjà ce truc je crois que c'est pas, pas très grave je crois mais il faut faire attention ok il veut mettre le cavalier en E3 puis après en D5 ça c'est sûr euh, je vais jouer fou E7 ouais petit coup au moral encore mmh, j'arrête pas de me prendre des petits coups sur la casquette c'est assez désagréable comme sentiment d'avoir un mec qui vous tape sur la tête et qui vous dit c'est bien petit. J'avais deux minutes contre 20 secondes, une position écrasante, et je n'ai pas été foutu de, 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 de finir cette partie. Ça me. Ça me désespère. Du coup, ouais, j'ai un petit. J'ai pris un petit, coup, un petit coup au moral là, ouais. Il va falloir que je me ressaisisse parce que j'ai déjà une position inférieure ici. J'ai déjà une position clairement inférieure. J'ai joué trop vite et je me suis, je me suis refait le... la partie précédente dans la tête. Donc, euh, c'est quoi 3-2 là Non, 3,5, 2,5. Ouais, il va falloir être consistant là hein, parce, que... parce que là, le moral n'est pas au top. Alors, on va jouer cavalier F6. Ici, il va prendre, il va prendre, il va prendre là. Je vais jouer dame 6. Je vais cavalier F6 parce que je trouve que c'est un coup plutôt normal. Euh, je ne suis pas convaincu de D4. Alors, normalement, ça, c'est des positions qui, me, qui lui sont... Qui, qui... Normalement, j'ai un fou de case noire, en fait, qui pose problème ici, mais là, il n'est pas là. Donc, a priori, euh, je ne devrais pas forcément avoir de soucis. Alors, j'ai ce cavalier en A5 qui doit être recyclé le plus rapidement possible, ça, c'est clair. Mais, bah, par exemple, je fous C8, c'est plus ou moins obligatoire, déjà, dans un premier temps. Euh, bon, il a B4, mais je vais jouer cavalier et B7 et après je vais jouer fou D7. Je n'ai pas une position idéale, mais... Euh, c'est Normalement, il a les foot... le fou de case noire et moi j'ai le fou de case noire aussi. Donc du coup, la position est plus difficile à jouer pour les noirs parce que je manque d'espace. Ok, B4, c'est normal. Est-ce que je prends je joue Kc4 Non, je ne pense pas. Est-ce que je prends je joue cavalier B7 Je ne pense pas non plus. Je vais jouer cavalier B7 euh, et je vais mettre de la pression sur la colonne C. Voilà, là, par exemple, je vais jouer fou D7. Qui est un coup assez normal. Voilà, ça c'est. Comme ça, s'il prend C5, je vais reprendre du cavalier. Euh, je menace des fois même à 5. A 5, ça peut être un coup intéressant pour moi. Je pense qu'à 5, ça résout tout, quasiment tous mes problèmes d'ailleurs. Si j'arrive à le jouer. Euh, après, il faut faire attention aux transformations, qu'il n'ait pas la casse C4. Mon fou de casse blanche est quand même très important ici. Donc voilà, à 5, la question se pose. Est-ce que je peux jouer à 5 A 5, il peut prendre en B5, il soutient en fait tout ça. Donc euh, je ne veux pas. Donc je vais jouer tour EC8. Alors est-ce qu'il va me faire le plan de Karpov justement, lui Vous savez ce fameux triplage sur la colonne A pour essayer d'entrer. C'est possible. C'est tout à fait possible. C'est pour ça que je vais jouer tour EC8 pour essayer de générer du jeu tout de suite sur la colonne. Et aussi pour éventuellement jouer cavalier D8 sans que mon, mon cavalier soit, soit, euh, soit, soit privé de case en fait. Donc là, a5 n'est toujours pas possible, je pense, parce que prise b5, prise b4, prise b4, prise b5. Vous me direz, c'est quand même très très égal tout ça. Tour b1. Je vais jouer dame d8. Dame d8, c'est la dame, elle peut être utile sur les cases noires. Peut-être que lui va être obligé de jouer plus ou moins obligé de jouer à a5 à un moment. Et quand il joue à 5, par contre, on va vite ramener les pièces de l'autre côté. Bon, je vais avoir ce problème. Voilà, il a joué à 5. Alors est-ce que là, il menace de jouer C4 Ça, c'est l'idée. Est-ce euh, que je prends Si je prends B4, le problème, c'est qu'après, je ne vais pas avoir accès facilement à, à tout ça. Donc, euh, j'aurais tendance à jouer C4 ici, mais mon cavalier est loin, en fait. Et j'ai peur de me prendre une attaque euh, trop forte. Du coup, je vais peut-être garder la tension. Je vais rejouer d'Ame7 pour pouvoir repasser le cavalier. J'aurais pu aussi doubler les tours sur la colonne C. C'est une solution. C4, je n'ai pas vraiment peur parce que du coup, je vais prendre en B4 et obtenir la case C5 pour mon cavalier. Fou d 3, c'est un coup normal, justement. Peut-être que là, il envisage de jouer C4. Euh, si je joue C4, il va revenir en B1, c'est son idée. Je vais, je vais essayer de voir quand même ça, comment ça se passe, ça, quand même. Parce que je ne suis, suis pas forcément convaincu de, du fait que ce soit OK pour les Blancs. Peut-être que je me trompe, mais cavalier H7, F6, cavalier F7, enfin... J'ai quand même une possibilité assez rapide d'avoir une, une, une organisation de pièces correcte. Là, par exemple, cavalier h5, c'était ça mon idée. Je voulais mettre mon cavalier sur f4. Il peut pas jouer g3 facilement en plus, donc euh, pourquoi pas. Maintenant, mon cavalier d8, normalement, il ressort par, par f6, par f7, pardon. Sauf que bon, f6, ça permet cavalier h4 et le deuxième cavalier se rend sur les bonnes cases. Euh, là, bon, il faut que je joue cavalier f4. Il va jouer g3. Sur... Il va jouer cavalier g1 sûrement. Il va préparer la poussée f4. Il va préparer la poussée f4. Ça, c'est, ça, ça, c'est pas mal Dame g5. Eh, ce cavalier il me gêne. Hein. J'étais, j'étais peut-être trop optimiste. C'est pas peut-être, même j'ai été trop optimiste. Euh, si je joue ça, 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 ça va pas. Donc ça, ça, ça va. Euh... Il ouais, faut que je me dépêche. Je vais jouer, je vais jouer cavalier F4, même si j'y crois pas une seconde. KG1, c'est un bon coup. F6, F6, c'est pas terrible. Hein. Ah, ça, je vais prendre. Maintenant, je vais ramener mon cavalier sur, sur F6. Eh, J'ai un problème, un vrai problème avec ce cavalier en D8. Donc là, idéalement, il faudrait que j'arrive à... à le remettre quelque part. Mais la question c'est où Parce que bah, je, je suis quand même bien bloqué. Toutes les finales, en plus, sont assez difficiles pour moi si la dame peut rentrer sur les cases de la dame. S'il peut jouer KD2, cavalier E4, je vais, être, je vais être en difficulté. Donc là, je vais jouer ça comme ça. Moi, mon cavalier, maintenant, il ne bouge plus. Euh, il faut que je prévoie quelque chose donc je vais essayer d'échanger peut-être les dames dame à 7 euh, je vais jouer tour C7 et tour E7 pour défendre euh, <coughs> pour défendre comme ça mais surtout il faut que j'accélère là hein, c est, c est, c est le, ça va être la clé donc je vais jouer tour E7 Ok, maintenant il faut que je ramène l'autre cavalier ici, donc je vais jouer ça. F6. C'est pas beau F6, hein. je le conçois, hein. ne m'en me, me, voulez pas. Et je vais m'échapper vite avec mon roi. Je vais amener le roi de l'autre côté le plus vite possible. Voilà. mettre le roi sur b7 on va mettre dame c7 3 c8 3 b7 va avoir du mal à le gagner mais je vais peut-être aussi avoir du mal à le perdre on va dire euh... quoi je vais dame a7 Donc, le roi en c7 Maintenant, je vais attendre. Hein. Qu'est-ce que je peux faire, de toute façon Il peut pas F4, mais F4, ça va me donner toutes les cases. Je vais rester là et je vais attendre. Allez, hop. Opération Patience. Ok, donc il m'a donné du matériel pour obtenir ce cavalier ici. Euh... Est-ce que je peux jouer Kc7 ici On va en B7. 8 ouais, Je suis quand même très passif, hein. C'est quand même pas terrible. Hein. Pour ne pas dire plus que ça d'ailleurs. C'est limite horrible la position. Je commande plus beaucoup, je sais, mais plus beaucoup de temps. Je suis désolé. Le match est très tendu. La partie aussi, d'ailleurs, c'est assez chaud. Là, il menace de rentrer sur D4. Euh... Aïe, 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 j'ai envie de dire. Euh, comment je fais, comment je fais, comment je fais, comment je fais, comment je fais. Je vais, jouer... je vais jouer ça. Ah, il menace de rentrer vraiment. Ah, j'avais qu'avait des 7 qui tenaient tout. Non, Yannick, pourquoi Pourquoi tu gaffes ah. Ça tient encore par miracle. Je suis en train de faire des trucs avec mon roi. Euh, je ne sais pas ce que c'est. Oh mmh. It's over, non, Yelin. ok Thank you. Thank you. And good luck for Sanan. Bonne chance à Sanan pour la suite. Bye.